un stéthoscope, car à travers les différents outils qui sont à notre disposition, comme des mesures électriques, on arrive à tirer des diagnostics et savoir si nos puces sont en bonne santé. Un castor, qui est bien connu pour ses fameux barrages. En tant qu'ingénieur filière, on met en place des tests qui sont effectués sur chacun des lots avant qu'ils ne sortent de salle. Le relais 4x100 mètres, car derrière le nom d'un métier, il y a toutes sortes d'activités représentées et on interagit les uns avec les autres tout au long de la vie d'une technologie.